Thank you.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre émission Cérémonie des Vœux 2022. Nous sommes en direct sur le site de l'ancienne usine ACFA à Pont-à-Marc et je suis en compagnie de l'école de musique municipale de Fallampin, de nos vice-présidents Pével Carambeau et des invités que nous retrouverons tout à l'heure tout au long de l'émission. Sans plus attendre, j'accueille Monsieur Luc Foutry, président de Pével Carambeau. Alors, je vous invite à suivre donc cette émission sur l'ordinateur ou sur la tablette parce que vous allez avoir besoin de votre smartphone car il va y avoir des jeux et des surprises à gagner. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Jade, bonsoir à tous. Alors, nous sommes sur le site de Pont-à-Marc, je le disais, ACFA. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Expliquez-nous pourquoi. Bah, ça me tenait à cœur à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un peu le symbole de l'activité entrepreneuriale et industrielle de Pével Carambeau. On avait des grandes entreprises comme ACFA, on en a eu comme Béguin. On a eu aussi des entreprises de taille plus modeste, mais qui ont marqué l'histoire entrepreneuriale de notre territoire. On pourrait citer les entreprises Cocan, les chaudronneries Cocan, les chaudronneries aussi à Fallampin. On pourrait citer les entreprises Rodenbach à Pont-à-Marc, la filature aussi Marchand, ou encore la passementerie Van Lathem. Donc c'était à ce titre une illustration et un symbole de l'histoire entrepreneuriale de Pével Carambeau. Et puis dans l'actualité plus récente, nous avons eu évidemment à subir, à nous mobiliser en tout cas, pour être d'abord, à la suite de l'annonce de la fermeture du site de Pont-à-Marc par ACFA, à nous tenir plus récemment auprès des salariés d'ACFA. Voilà, nous l'avons fait alors qu'il y avait la négociation pour le plan de sauvegarde de l'emploi. Mais nous avons aussi poursuivi cette action auprès des anciens agents de ACFA à travers un accompagnement mis en place par la cellule emploi de Pével Carambeau avec des partenaires que sont Pôle emploi, que sont Proche emploi ou Proche Info Formation pour justement poursuivre ce travail d'accompagnement qui ne s'est pas arrêté lors de la signature du plan de sauvegarde pour l'emploi. Et au moment où on se parle, il y a encore 60 personnes qui sont accompagnées et pour lesquelles les services de Pével Carambeau et des partenaires sont mobilisés pour trouver des solutions. Et puis, c'est aussi un lieu symbole d'avenir pour notre territoire puisque, comme vous le savez peut-être, Pével Carambeau s'est rendu propriétaire, en tout cas maître du destin de ce site de 16 hectares pour que nous puissions y accueillir à nouveau demain des entreprises, des emplois, puisque c'est un site qui, j'insiste, sera dédié toujours à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Voilà, et nous serons ravis d'accueillir des entreprises demain sur ce site. Et il y a un gros travail qui est fait actuellement par les élus et les agents de Pével Carambeau pour réaménager le site et avoir une réflexion qui pourra aboutir, je l'espère, d'ici à la fin d'année. Alors justement, avec nous ce soir, nous avons deux anciens salariés ACFA, M. Barr et M. Guettier. Je m'adresse à vous. En fait, donc, quel recul aujourd'hui vous avez par rapport à la période que vous avez traversée, M. Barr, si vous voulez bien répondre. Bonjour. Bah, écoutez, c'est un passage très, très difficile, hein, la fermeture d'une entreprise quand on a fait 37 ans. Dans cette entreprise, c'est comme un accident, hein, on ne sait jamais que ça va vous arriver, puis le jour où ça vous arrive, il faut absolument se mobiliser. Et là-dessus, tous les salariés, et heureusement les élus nous ont accompagnés, ce qui a fait qu'on a eu un PSE, je ne veux pas dire, allez, il y a toujours mieux, mais de qualité. Aujourd'hui, avec le rachat du site, ça nous donne espoir pour l'avenir. Hein. Et ce qui est important, c'est que ce site continue à vivre et à nourrir aussi des familles. Donc voilà, nous, on ne peut que remercier, hein, tous ceux qui nous ont accompagnés. Hein. Ils sont autour
de nous. Hein. Je parle du maire de Pont-à-Marc, maire de Thumerie, qui régulièrement nous assistait et nous soutenait. Et M. Foutry, qui était à la manœuvre et qui nous a réellement aidés, comme M. Bertrand, quand il est intervenu à la préfecture, parce que c'était un moment crucial où on a, ce jour-là, montré qu'on était tous unis et ACFA a cédé à partir de là leur position. Et on a un accompagnement qui était à la hauteur. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire et j'espère que ça va continuer. Et puis, merci pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Monsieur Barr. On sent beaucoup d'émotion dans votre voix. Monsieur Guettier, même question. Oui. Quel recul vous avez? Oui, bah déjà, pour vous dire que nous, on n'a pas complètement coupé les ponts avec ACFA parce qu'on fait partie de la commission de suivi des salariés. On a d'ailleurs une réunion demain matin là-dessus. Moi, ce qui m'a marqué le plus dans toute cette fermeture, c'était le jour J de l'annonce de la fermeture. Lorsqu'on était en réunion ici sur le site avec la direction belge qui était là et qui nous a annoncé la fermeture de l'usine et qu'ensuite il a fallu annoncer ça aux salariés qu'ils étaient tous devant à attendre les informations. Je suis sorti pour annoncer ça, quand j'ai vu des pleurs et puis les visages décomposés des salariés, c'est quelque chose qui va me rester gravé très 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 longtemps. Je voudrais aussi, comme M. Bérard a dit aussi, remercier les élus qui nous ont soutenus aussi pendant cette période, M. Foutry, et puis M. Clément, et puis Mme la maire de Thumerie, etc. Et est-ce qu'on est toujours en contact aussi avec M. Foutry, et je sais qu'il fait tout ce possible aussi pour trouver des solutions, justement, pour les salariés. Mais bon, je sais que c'est très difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous remercie pour votre soutien. Merci beaucoup, Monsieur Guettier. Merci beaucoup à tous les deux. On le sent, hein, le sujet est encore très frais, Monsieur le Président. Je sais que la PVA Carambeau a souhaité accompagner les ex-salariés dans leur reconversion. Et nous allons d'ailleurs écouter le témoignage de Madame Stéphanie Callot. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Callot, j'ai 47 ans. Je suis une ancienne salariée d'Acfa Guépart. J'y suis entrée en 2010 en tant que responsable d'administration des achats. Mon métier consistait à piloter l'approvisionnement des matières premières, des fournitures et des prestations de services nécessaires au bon fonctionnement de l'usine. Je supervisais également le transport international des marchandises et le suivi administratif des déchets jusqu'à leur destruction finale. Quand le directeur a annoncé la fermeture du site en juin 2020, j'ai été envahie d'un sentiment de tristesse, de colère et de désarroi. Mais j'ai immédiatement pensé à mon avenir et je souhaitais vite rebondir en m'inscrivant à une formation. J'avais l'intention de me reconvertir et donc j'ai choisi, grâce au cabinet de reclassement Améris, de la PVAL Carambeau et de la Direction des Ressources Humaines, la voie d'une formation pour être assistante de direction. J'ai démarré cette formation donc en juin 2021 par 4 mois d'enseignement théorique. Et comme je devais réaliser un stage de 2 mois, un stage pratique, la PVAL Carambeau m'a accueillie au sein de la Direction des Ressources Humaines. Ce stage s'est très bien passé. J'ai passé les examens en décembre et j'attends maintenant les résultats. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix de la formation professionnelle, car ça a été un élément moteur pour moi dans ma reconversion. Cette formation m'a permis d'élargir mes compétences, de me créer un nouveau réseau, et de me préparer efficacement à la recherche de mon futur emploi. Alors, Monsieur le Président, cet accompagnement était vraiment très important pour vous. Important et primordial, même si ce n'est pas dans nos compétences premières hein, que de faire ce type d'accompagnement. Nous, on est pour le développement économique. Donc, l'accompagnement dans l'emploi, ce n'est pas vraiment notre métier, notre compétence à PVAL Carambeau. Mais c'était une évidence, et, parce que c'est M. Barr et M. Guettier l'ont rappelé, un tel choc que nous ne pouvions pas rester sans rien faire. Parce qu'en fait, on parle d'entreprise, mais la richesse des entreprises, c'est d'abord les hommes et les femmes qui y contribuent, celui qui investit, celui qui dirige, celui qui fait les choses. Et donc, il fallait qu'on se trouve avec nos moyens, aux côtés, et faire aussi bien que possible avec les moyens de PVAL Carambeau. Et c'est ce qu'on essaye toujours de faire grâce à la mobilisation des élus et des agents. Alors, au-delà du sujet ACFA, quelle est l'actualité de la PVAL Carambeau sur le plan économique ?
Alors sur le plan économique, on a eu une année 2021 qui a été marquée par deux annonces, on va dire. La première annonce, c'était l'arrivée de l'entreprise Akiem, qui est une entreprise qui fait de la maintenance ferroviaire et qui va s'épanouir sur le territoire d'Austricourt. Et cette arrivée, je peux en témoigner, est le fruit de la collaboration entre la mairie d'Austricourt, Pével Carambeau et la région. Et donc, c'est pas loin de 60 emplois à terme qui seront installés à cet endroit-là pour un investissement de près de 13 millions d'euros. Ça n'est pas rien. Et puis, nous avons accompagné de manière plus technique là et réglementaire à notre niveau la modernisation d'une partie de la production de Minakem qui, sur le site de Beuvry-la-Forêt, va investir environ 40 millions d'euros pour la modernisation de son outil. Et puis, plus récemment, nous l'avons fait dans les dernières années, dans la poursuite des politiques qui ont été installées. Nous avons aidé l'installation, le renouveau d'entreprises qui se sont installées sur de nouveaux sites comme Oyer, comme Durier ou encore comme les entreprises Le Sage, à chaque fois en apportant une aide là, à hauteur de 100 à 150 000 euros chacun. Très bien. Alors, je vous propose de faire un petit retour en image sur les projets d'actualité Pével Carambeau en regardant une toute petite vidéo de deux projets phares. Monsieur le Président, je vous propose un petit jeu. Je vais vous présenter 6 photos et vous avez une minute pour commenter chaque photo. Je sais que l'exercice ne va pas être facile. Une minute. Une minute. Allez, je commence avec cette photo. Ça, c'est l'illustration de la mise en œuvre du schéma cyclable qui a été validé par les élus communautaires, préparé en fin d'année 2020 et validé en 2021. Et là, vous avez une réalisation qui s'est faite, si je ne dis pas de bêtises, là, à Capelle en Pével, mais il y a eu aussi des actions à Louville, à Pont-à-Marc, à Mons en Pével, j'en oublie sans doute, et je m'en excuse, mais c'est près de 500 000 euros qui ont été investis cette année dans la réalisation de ce schéma cyclable, parce que nous sommes pour le développement des déplacements doux également en Pével Carambeau. Alors la photo numéro 2, la voici. Ça, c'est un gros enjeu, c'est la gestion, le traitement, le ramassage des ordures ménagères. Le dernier magazine de Pével Carambeau était consacré à cet enjeu. Je voulais souligner simplement que c'est un enjeu environnemental, puisqu'en fait, nous sommes pressés par la loi de baisser nos déchets, notre tonnage. Et en Pével Carambeau, on a du travail là-dessus. Et nous sommes pressés par la loi aussi, parce qu'en fait, le mécanisme de taxation qui s'applique à la Pével Carambeau fait que si nous ne faisons rien, notre coût de traitement et de ramassage des déchets ménagers va exploser. Donc, ça sera bon pour l'environnement et bon pour nos finances de passer à la tarification incitative. C'est en tout cas ce que nous travaillons en accord avec les élus communautaires. Bon, très bien. J'espère que le message sera passé justement ce soir. On nous regarde. Alors, cette troisième photo. Ça, c'est le symbole du plan Lumière, en fait, en quelque sorte, puisque cette année, nous avons aussi validé la mise en œuvre de la seconde phase du plan Lumière. C'est beaucoup d'économies d'énergie, donc de production, et c'est bon pour la planète. On va équiper beaucoup de points lumineux en LED, et ça va faire aussi des économies financières pour les communes. Je tiens à dire que là, la Pével Carambeau investit, mais c'est payé par les communes, quand même. Donc c'est une action vraiment symbolique de partenariat entre les communes et Pével Carambeau. Très bien. Photo suivante. Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, c'était un grand débat que nous avions jusqu'ici.
Et à force de discussion, nous avons réussi à nous mettre d'accord et à mettre en avant notre capacité à travailler pour avoir un aménagement qui soit plus respectueux des projets communaux, toujours projets communaux et projets intercommunaux. Et je tiens à souligner la méthode qui a été mise en place parce qu'on a fabriqué du consensus autour d'un sujet qui ne l'était pas forcément. Donc merci aux élus communautaires d'avoir pris cette voie. Là, c'est celle-ci. C'est la culture, c'est Émeu d'or qui ont eu lieu cette année. Ça me donne l'occasion de remercier tous les organisateurs de ces Émeu d'or, les agents intercommunaux, mais aussi évidemment l'association et les rencontres culturelles en Pévèle. Ces 6 compagnies amateurs et une qui se sont mobilisées pour ce spectacle, ce festival, sur plusieurs jours. Et donc, c'est l'occasion de montrer aussi que, du point de vue culturel, nous sommes présents à côté des acteurs. Ce n'est pas nous les acteurs, mais on les aide. Et enfin, la dernière photo, Monsieur le Président. Ce petit oiseau. Ça me donne l'occasion. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas quel type d'oiseau c'est. Mais en tout cas, ça nous donne l'occasion de souligner que nous sommes engagés avec l'Office français pour la biodiversité à la mise en œuvre d'un inventaire de la biodiversité en Pévèle Carambeau, avec un objectif qui est simple, c'est mieux connaître notre territoire pour mieux l'aménager. Et ce n'est pas opposer la biodiversité aux aménagements et au développement, bien au contraire. Et ça se fait avec une observation. Et il y a 6, je crois, de mémoire, c'est 6 sorties d'observation qui sont prévues au cours du premier semestre 2022. Donc toutes les personnes peuvent d'ailleurs s'inscrire pour participer à ce travail collectif. Très bien. Alors d'ailleurs, Pévèle Carambeau, avec le concours de la région, a organisé la journée de plantation d'arbres sur de nombreuses communes. Et vous avez souhaité ce soir mettre à l'honneur 2 communes. Et pour ce faire, eh bien, nous allons inviter à nous rejoindre donc Sophie Smogor, Miss Pévèle 2021, qui va remettre les trophées de l'arbre. Monsieur Olivier Vercruis, le maire de Canfin en Pévèle. Madame Christine Paul de l'association Plantons notre oxygène et Monsieur Vincent Lavallée à venir nous rejoindre de Canfin en Carambeau, l'adjoint. Voilà, donc j'en profite pour remercier Monsieur Duchâtelet qui a taillé ces très jolis arbres. Alors Sophie, je vais vous laisser remettre donc à Monsieur Olivier Vercruis l'arbre, Vincent Lavallée, autant pour moi, ce jeune homme là-bas, pour la commune de Canfin-Carambeau. Et monsieur le président, eh bien, je vous laisse remettre l'arbre à madame Paul de l'association Plantons notre oxygène. C'est son idée, hein. C'est grâce à lui. Hein. Alors, je m'empare des micros et je commence avec vous, madame Paul. Pour vous demander de ce fait, votre association, eh bien, dites-nous-en quelques mots. Merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir ce trophée. C'est émouvant. Je vous remercie. J'ai créé l'association Plantons notre oxygène en hommage à mon mari défunt, Christian Paul, qui était conseiller municipal à la commune de Canfin-Pévèle et qui voulait consacrer sa retraite à planter notre belle région. Sauf que malheureusement, notre belle région est aussi la région la plus pauvre en termes de boisement de France. Donc voilà, l'objectif de l'association est de sensibiliser nos jeunes à l'impact qu'ont les arbres sur nos vies, mais également à organiser des journées de plantation d'arbres et d'arbustes grâce au parrainage de citoyens, au parrainage associatif et puis bien sûr aux subventions. Voilà pourquoi on plante, pour améliorer notre cadre de vie, mais aussi parce que les arbres sont de véritables trésors pour la biodiversité. L'abbé Pierre disait il faut réveiller les consciences, il faut les rallumer. Et bien sûr, il parlait de fraternité. Et moi, ce que je voudrais rallumer, c'est les consciences écologiques de notre région. Et donc, d'inviter nos concitoyens, d'inviter les maires à nous rejoindre et à planter sur leur belle commune Pévèle et Carambeau. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Vercruis, un petit mot sur... Petit ? Oh, allez-y, exprimez-vous. Déjà, je voulais remercier Monsieur le Président d'avoir retenu l'idée de ce trophée. C'est vrai que ça vous tenait à cœur. Alors, je pense que l'équipe de communication a bien fait son travail, parce que lorsqu'on enlève les Canfins, ça fait Pévèle et Carambeau, notre intercommunalité.
Moi, je pense qu'on aura la place de Vincent l'année prochaine parce qu'on est très motivés pour ne plus avoir le trophée d'honneur, mais gagner le vrai trophée. Peut-être un petit mot ? Oui, monsieur Lavallée. Merci. Bon, il y a challenge alors, hein, donc à l'année prochaine. Merci, monsieur le président, pour cette mise à l'honneur qui nous honore, élus de la commune qui avons engagé ce sujet, mais qui honore aussi, et je voudrais le souligner, l'ensemble des habitants de la commune qui se sont mobilisés pour cette opération. En fait, on a planté à peu près 800 mètres linéaires de haies au cours de ce début d'hiver, et on n'aurait pas réussi cette opération sans l'appui de la centaine d'habitants de Canfin qui est venu nous rejoindre et qui ont répondu à notre appel malgré le froid, malgré la neige qui était tombée. Et je voudrais faire un clin d'œil particulier à la classe de CM2 de Madame Ostanski, qui a aussi contribué à planter 200 mètres linéaires la veille. Et c'est un beau message d'espoir de voir ces enfants se mobiliser à côté de nous, parce qu'on n'a pas eu besoin de les encourager beaucoup pour qu'ils viennent nous rejoindre. Et c'est vrai que pour une première opération à Canfin, nous voir remettre ce prix est un vrai plaisir et un vrai honneur. Merci beaucoup. Et puis donc peut-être à l'année prochaine pour d'autres opérations. Visiblement, il y aura un concours entre les deux Canfin. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Peut-être. Est-ce que je peux me permettre un petit mot ? Je vous en prie, rapide, simplement pour peut-être laisser la parole, ce n'est pas prévu, vous laissez la parole, Miss Pével, parce que vous avez participé à la remise de ces trophées. C'était au-delà du symbole, parce qu'on veut que Pével Carambeau soit boisé, et vous êtes la représentante de Pével Carambeau en cette année à la suite de votre élection. Mais présentez-vous un petit peu, puis dire où vous avez été élu et quels sont vos objectifs. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Sophie Smogan. Donc, j'ai été élue en novembre dernier à Beuvry-la-Forêt, Miss Pével 2021. Ouais. Je suis ravie d'être ici ce soir et de pouvoir représenter la belle région pour laquelle j'ai été élue. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on compte sur vous pour Miss France, hein, c'est ça. Bon, voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser de ce fait. Vous pouvez, oui. Allez-y. Bravo. Merci encore, merci beaucoup. Monsieur le Président, un petit moment de détente maintenant avec un groupe que vous avez choisi, le Pével Pipe Band, qui va donc nous faire le premier intermède musical. Thank you.
allons revenir. Oui, on peut les applaudir, tout à fait. Présent. Alors à présent, merci beaucoup messieurs, en tout cas merci au Pipe Band de nous avoir accompagnés ce soir. Monsieur le Président, à présent, eh bien, nous allons revenir sur un des temps forts de 2021. Ce sont les deux centres de vaccination, Orchies et Pont-à-Marc, qui se sont mis en place. Et d'ailleurs, ce soir, j'accueille pour en parler donc le docteur Debevert, le docteur Bradier, ainsi que Priscilla et Margot. Venez nous rejoindre, venez, venez. Prenez place. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Monsieur le Président, les centres de vaccination, un sujet incontournable. Ben malheureusement, parce que l'actualité sanitaire nous a contraints à nous mobiliser sur ce sujet-là. Et avant de laisser la parole aux acteurs de ces centres de vaccination, je voudrais d'abord dire que j'ai souhaité vous associer à cette cérémonie de vœux et à travers vous, toutes les personnes, remercier à travers vous toutes les personnes qui ont participé activement à la réalisation et à la bonne tenue de ces centres de vaccination. Je pense qu'on peut retenir trois chiffres pour les deux centres de vaccination en PVL Carambeau. C'est plus de 100 000 injections, si mes chiffres sont bons. C'est plus de 426 professionnels de santé mobilisés pour la réalisation de cette bonne vaccination. Et c'est une cinquantaine de bénévoles qui ont également prêté main forte aux soignants pour la bonne tenue de ces centres de vaccination. Il y a un an comme maintenant, on se demandait comment ça allait faire et vous avez rendu les choses possibles. Je tiens à souligner aussi qu'il y a eu une belle mobilisation en tous ces 11 agents de PVL Carambeau qui se sont mobilisés, soit pour porter les vaccins, soit pour remettre en place les relais téléphoniques. Enfin voilà, il y a eu une belle mobilisation aussi. Sans vous, nous n'aurions rien pu faire et on est content d'avoir pu contribuer à vous aider dans cette belle mission. Alors, Madame Debevert, on ouvre avec vous. Bonsoir. On ne fait qu'un meilleur vœu de la part de l'équipe du centre d'Orchies. Je suis médecin généraliste à Auchy-les-Orchies. Je voulais... Ok, merci. En tous les cas, nous étions une équipe de plus de 300 personnes venues d'horizons différents. C'était une équipe pluriprofessionnelle, formidable, généreuse, avec laquelle nous avons pu mener à bien cette belle mission de vacciner un maximum de personnes, des personnes fragiles. Et c'était dans un cadre magnifique et apaisant qu'était la grange. En tous les cas, ça restera une expérience enrichissante pour chacun d'entre nous, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà. Merci beaucoup, Madame Debevert. Merci. Monsieur Bradier. Oui. Ben, pour nous, ça a été aussi une belle expérience avec beaucoup de gens qui sont mobilisés aussi, à peu près les mêmes chiffres. Ce qu'on peut retenir, c'est que on a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de donner accès à la vaccination d'abord aux personnes les plus vulnérables, grâce à l'aide aussi de la PVL Carambeau, parce que au début, c'était les médecins qui faisaient remonter leurs patients vulnérables et la PVL Carambeau qui les appelait pour qu'ils aient un rendez-vous en priorité au centre, parce que ces personnes-là n'ont pas toujours accès à Doctolib, aux méthodes, je dirais, numériques modernes. Et grâce à cette mobilisation et à ce partenariat, on a réussi à vacciner tous ces gens en priorité. Et donc, ça a été une belle réussite, à mon avis.
Et aussi remercier tous les bénévoles qui ont participé, les bénévoles, les professionnels de santé qui ont participé à cette aventure et qui continuent à participer à cette aventure. Remercier aussi la commune de Pont-à-Marc qui a hébergé le centre de vaccination, qui nous a aussi je dirais donné des moyens humains pour le nettoyage, pour l'ouverture et la fermeture de la salle. Et puis je vais peut-être la parole à Margot peut-être. Un petit mot, Margot, que tu étais coordinatrice sur le centre de Pont-à-Marc. Oui, alors moi j'ai eu le plaisir de voir tous les bénévoles tous les jours depuis mars, dont certains s'investissent à raison de plusieurs permanences par semaine depuis mars. Donc on peut vraiment saluer la constance de leur engagement et puis leur bonne humeur, la bonne ambiance qui règne dans le centre. Et puis vraiment, appuyer les propos de Quentin et remercier toutes les petites mains, donc les bénévoles, mais aussi l'entretien, la technique de la salle qui ont vraiment permis la mise en place du centre de vaccination à Pont-à-Marc. Belle mobilisation. Priscilla, un petit mot. Oui, ben, tout s'est très bien passé. C'était une bonne expérience professionnelle et puis même personnelle. Je rejoins les propos du docteur. C'est vrai qu'il y avait une très bonne ambiance, autant les patients, qu'ils étaient très reconnaissants envers nous, et puis même entre nous, docteurs, infirmiers, secrétaires, c'était vraiment sympa. Ouais. Voilà. Donc malgré finalement, c'est quand même un sujet, voilà, c'était pas forcément évident, mais ce qu'on retient dans les propos que vous tenez, c'est une belle aventure humaine, une mobilisation, une belle ambiance, donc c'est ce qu'on peut retenir, c'est ce que vous retiendrez en tout cas. Et en effet, c'est vrai que on va dire que malgré les difficultés, malgré des fois aussi un public qui était un petit peu incompréhensif vis-à-vis de certaines restrictions, par exemple pourquoi ces gens-là ont le droit et pas moi et machin, des fois certaines personnes stressées par la maladie et le risque de tomber malade venaient un peu énervées au centre de vaccination. Et les bénévoles en première ligne se sont toujours montrés patients et compréhensifs vis-à-vis de ces gens qui étaient stressés. Et donc ça s'est globalement bien passé. Et je voulais aussi remercier Margot qui s'est énormément investie à ne pas compter ses heures pour l'organisation de notre centre de vaccination. Et Anne Seyé aussi, infirmière à Ennevelin, avec moi, qui coordonne le centre en même temps que nous. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci tout court de votre mobilisation et voilà, d'avoir vraiment œuvré sur notre territoire, parce que moi, je vous ai croisé chacun et voilà, je suis ravie de voir ces sourires parce que ça fait du bien de ce fait. Et puis, on pourrait en parler des heures et des heures. Je vous remercie beaucoup d'être venu témoigner. Puis on espère quand même ne plus vous voir dans les mêmes circonstances. Oui, voilà. Mais bon courage. Dans d'autres moments plus festifs. Merci. Merci voilà. Beaucoup en merci tout cas. Merci encore. Quatre. Alors, pardon, hop, Pascal, je passe juste devant vous. Donc, en fait, maintenant, nous allons pouvoir découvrir Monsieur Didier Dumont, président du Conseil de développement, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, c'est à toi, Didier. Bonjour, je suis Didier Dumont, je suis président du Conseil de développement et dirigeant de Dumont Énergie, une entreprise de chauffage située à Avelin. L'ensemble des membres du Conseil de développement se joignent à moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour 2022. Que cette année 2022 nous éloigne des problèmes sanitaires et qu'elle nous amène et qu'elle vous amène santé, bonheur et réussite. Petit rappel concernant le Conseil de développement. Alors, c'est une instance de 55 membres, des citoyens, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations. C'est le maillon officiel de la démocratie participative sur le territoire. Son rôle est de réfléchir et d'émettre des avis ou des propositions sur des sujets proposés par les élus ou éventuellement des sujets libres que nous souhaiterions aborder, avec un objectif. C'est d'enrichir les réflexions afin d'aider les élus dans leur prise de décision. Le Conseil de développement est
totalement libre de ses propositions, il n'est pas partisan, ce n'est pas non plus un contre-pouvoir, mais plutôt une instance qui se veut constructive pour les enjeux du territoire. Installée depuis février 2021, la nouvelle assemblée s'est mise au travail avec des séances plénières et aussi des groupes de travail thématiques, notamment sur le plan local d'urbanisme intercommunal et ou éventuellement la réactualisation du projet de territoire à horizon 2026. Nos avis et propositions ont été présentés aux élus. Je me félicite de l'écoute que nous avons de la part des élus communautaires qui répondent à chaque fois présents lorsque nous les sollicitons pour participer et échanger dans le cadre de nos groupes de travail. Ils nous sollicitent également pour faire participer le Conseil de développement à des comités de pilotage sur des projets structurants du territoire. Je remercie le président de la communauté de communes, Luc Foutry, pour la place et la visibilité qu'il a souhaité donner au Conseil de développement auprès des élus et du territoire. 2022 est une année chargée pour le Conseil de développement. 7 groupes de travail sont lancés, alors sur des sujets tels que les déchets, l'agriculture, la culture et le tourisme, le lien social ou encore le marketing territorial. Donc des avis et des propositions seront produites et présentées courant 2022. Nous sommes également engagés dans 6 comités de pilotage à la demande des élus, notamment l'ABC de la biodiversité ou encore la requalification du site ACFA. D'ici juin, nous aurons 3 séances plénières. Alors, ces séances plénières sont l'occasion de faire le point sur l'avancement des travaux des différents groupes de travail et aussi d'acquérir des connaissances sur des sujets transverses, mais qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux du territoire. Par exemple, le bilan carbone, le sentiment d'appartenance ou encore une meilleure compréhension des contraintes des élus. Je vous remercie pour votre écoute et vous renouvelle tous mes voeux pour 2022. Alors, Monsieur le Président, on peut parler d'un travail collaboratif ? Oui, c'est en tout cas ce que nous souhaitons avec le Conseil développement. Revenir peut-être, parce que Didier l'a dit, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par les membres du Conseil développement que je voulais, au nom des élus communautaires, remercier pour cet investissement. Il y a eu 7 avis qui ont été rendus sur des sujets qui intéressent l'Assemblée communautaire et notre territoire. Et puis, je voulais peut-être souligner, insister sur le fait que pour la composition du Conseil de développement, nous avons permis aux citoyens de Pével-Carambeau qui étaient intéressés, après un appel à projet, eh bien, on en a sélectionné une bonne partie à travers cet appel à projet, à la suite de cet appel à projet, parce que parfois on se désespère que, soi-disant, les gens ne s'intéresseraient plus à rien. Je pense qu'il faut trouver les moyens de s'intéresser et participer au Conseil de développement en donnant un avis. Ça reste un avis, ça n'est pas une décision. Il faut par contre accepter les règles du jeu qui sont celles qui sont posées par le cadre légal. Mais donner un avis, c'est déjà participer à la vie collective et à faire avancer l'intérêt général. Donc merci à eux tous. Merci Monsieur le Président. À propos, je propose du coup de regarder un petit extrait d'un film à table. C'est le film qui a été tourné par Pével-Carambeau sur l'alimentation. Et on se retrouve juste après pour en parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour Madame. Eh bien écoutez, je suis ravie d'être ici dans cette friterie, qui est un restaurant vraiment très spécifique du Nord par excellence. C'est la frite, c'est de chez nous. Alors parlez-moi un petit peu de votre friterie. C'est un ancien germoir à pommes de terre. Et quand on a trouvé le bâtiment, on s'est dit waouh, c'est vraiment l'endroit idéal pour installer notre friterie. C'est pour ça que vous l'avez appelé le germoir. C'est pour ça qu'on l'a appelé le germoir, parce qu'il y a des anciens de la rue qui me disaient « Ah, t'as racheté le vieux germoir à pommes de terre ?» Donc du coup, on dit « Bah, le nom est trouvé. » Très bien. Est-ce que je peux venir voir un petit peu comment on fait vos frites ? Venez par ici, je vous invite. Allez, je vous donne une casquette. Merci, par ici. Benoît. Alors, dites-moi, quel est le secret de la cuisson de la frite par les champions de France ? Alors, le secret, c'est que fait deux cuissons. Donc on fait une pré-cuisson aux alentours de 150 degrés. Et après, quand on va servir le client, on va reprendre les frites pré-cuites
qu'on va replonger dans un bain qui est plus chaud, on va environ à 170 degrés, histoire de la faire croustiller. Parce que là, on peut... Enfin, on a le masque, mais on peut goûter. Je vous laisse en prendre une, je vais pas mettre la main. Elles sont déjà cuites. Ah oui, mais pas encore tout à fait cuites. Mais pas croustillantes. Elles sont plutôt molles. Voilà, c'est ça, quoi. Mm-hmm. Non, là, ça fait comme une purée, un peu, quoi. D'accord. Donc après, on les reprend, on les replonge pour les faire croustiller. D'accord. Alors, dites-moi un peu, quel est le type de pomme de terre avec lequel vous faites vos frites? Alors, en ce moment, on travaille avec de la pomme de terre qui s'appelle Trésor. Oui. Mais bon, c'est la pomme de terre que j'ai pris pour finir la saison. Parce que toute l'année, je travaille avec une pomme de terre qui s'appelle Artemis. Et l'Artemis, c'est mon beau-frère qui la cultive à Landa, dans un petit champ qui n'est pas très loin. Donc une histoire familiale. Une histoire familiale, oui. Bah, comme je dis, ça serait dommage d'avoir une pomme de terre qui vienne de loin alors que mon beau-frère est agriculteur dans mon village, quoi. Très bien. Et au moins, je peux choisir la variété que je veux. Tout à fait. Alors donc, du coup, on va pouvoir déguster ça dans quelques minutes. Voilà, d'ici... Avant le coup de feu. Si vous voulez, il faut que je fasse un bac en cuisson. Et après, je vous fais un petit plat pour déguster. Magnifique, super. Merci. Merci à vous. Tu peux appeler, Caro. Super. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Alors quand c'est prêt, vous nous appelez et on vient chercher la frite. Voilà. Alors vraiment, bravo. Et bravo, ben voilà, pour cette initiative. Bon appétit. Oh, je suis super bien servie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Caroline Bernard, vous êtes donc la conjointe de Benoît. Oui, tout à fait. Du Germoir ici à Landa. Oui. Merci beaucoup, j'ai goûté. Ça vous a plu ? Délicieuse, toute croquante, absolument délicieuse, je me suis régalée. Ah bah parfait alors. Alors, votre époux m'a dit tout à l'heure que c'est vraiment une histoire de famille. Oui. Et qu'on peut peut-être aller visiter le champ de pommes de terre de votre frère qui se trouve à côté ? Ah bah oui, à 500 mètres. Vous voulez vous m'emmener ? Oui, tout à fait. Alors on y va. Je vous suis. Sommes-nous ? Ici, on se trouve dans le champ de pommes de terre que cultive mon frère. Et les pommes de terre qui nous serviront à faire les frites. Et alors, cet immense champ-là, ce sera prévu pour quand, la récolte ? La récolte, elle va commencer début août. Là, on est en pleine floraison. Donc, la pomme de terre grossit, en fait. Et dès qu'elle sera à maturité, elles seront récoltées. Donc, entre début août et fin septembre. Très bien. Et alors, du coup, l'intérêt d'avoir les pommes de terre donc ici sur Landa. Alors pour nous, c'est de privilégier le circuit court. En fait, c'est produit à 500 mètres de la friterie. Après, mon frère les récolte, il les stocke juste à sa ferme, juste là derrière. C'est le circuit court. Eh bien, merci Caroline. Merci de m'avoir fait découvrir ce magnifique champ de patates. Merci bonne continuation à vous, bonne et continuation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Caroline. Au revoir. Bonsoir messieurs, merci de nous avoir rejoints. Monsieur Frédéric Marchand, sénateur du Nord, et monsieur Emmanuel Vaz, des Moulins Vats à Mont-Saint-Pével. Monsieur le sénateur, vous vous intéressez à la question sur l'alimentation dans le cadre de votre mandat parlementaire. Et à ce titre, vous avez accompagné Pével Carambeau pour la mise en place de son projet d'alimentation territoriale. En quoi consiste ce type de projet ? Alors je vais essayer de ne pas être trop long, parce que dès qu'on parle d'alimentation, on peut être là jusqu'au bout de la nuit, tellement le sujet est passionnant. Encore plus dans cette belle communauté de communes qui est Pével Carambeau, puisqu'on est quand même dans un écosystème assez formidable. Emmanuel Vaste en est une illustration, mais il y en a tellement d'autres, et je vois qu'ils ne sont pas loin. Alors le projet alimentaire territorial, c'est quoi ? C'est sur un territoire consacrer l'alimentation comme quelque chose d'essentiel, comme quelque chose de primordial. Et c'est de permettre
à tout un tas d'acteurs, comme on a pu le voir dans la petite vidéo qui précédait nos échanges, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs puissent travailler ensemble, puissent se rencontrer et bâtir un projet de territoire, un projet qui est économique, puisque quand on parle d'alimentation, on parle d'économie, on parle de santé, on parle d'environnement, on parle d'éducation, finalement on parle d'un tas de choses qui impactent notre vie quotidienne. Et le projet alimentaire territorial, il a été mis en place dans la loi en 2014. Alors il a connu un développement quinquennal, j'ai envie de dire, sur les territoires du fait d'une absence de moyens. Et en 2020, donc à l'initiative de Julien de Normandie, une réelle volonté de dynamiser ces projets alimentaires territoriaux. Et à l'instant où je vous parle, on a sur tout le territoire français, y compris nos territoires d'outre-mer, 333 PAT qui sont labellisés. Et le département du Nord peut s'enorgueillir d'être parmi les premiers départements, puisque, outre celui de la Pévèle-Carambeau, donc on est à 7 PAT. Avec le PAT historique, et c'est l'occasion pour moi d'adresser un clin d'œil au président du département, Christian Poiret, de Douaisy Agglomération, qui fait partie des PAT qui sont aujourd'hui cités en exemple sur le territoire national, puisqu'on est à la fois sur du travail d'insertion, du travail environnemental, du travail de développement économique. Donc c'est un sujet passionnant. Alors, Monsieur Vast, vous êtes venu nous parler d'une filière locale que vous souhaitez développer à travers le PAT. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Eh bien, bonsoir. D'abord, effectivement, pour une entreprise implantée à Mont-Saint-Pevel depuis 125 ans, 6 générations, il me semblait effectivement légitime de s'intéresser à un projet territorial. Ensuite, inscrit aux premières heures de la commission alimentaire instaurée par toi, Luc, j'ai proposé qu'on puisse travailler en filière. Et donc, eh bien, tout naturellement, effectivement, la filière céréale est largement représentée, des maisons de semences, aux nombreux producteurs, quelques transformateurs de premier rang, de nombreux transformateurs de deuxième rang, les boulangers, les autres métiers de bouche, la restauration collective, entre autres. Alors, on est parti d'un constat, c'est qu'effectivement, nos céréales produites ici sur le territoire, souvent quittent le territoire pour d'autres contrées, d'autres utilisations. Et effectivement, on a du mal à les retrouver au final, au moment de la consommation. Donc, il m'a été proposé, puisque je l'avais proposé, de m'occuper de filières. Et donc, le projet est d'instaurer cette filière, de la faire vivre, afin qu'effectivement, on puisse amener du pain à base de blé pévélois et carambélien, De Pévèle-Carambeau, dans nos assiettes, dans les assiettes à la maison, mais également à la cantine, des écoles, des collèges, des lycées. Voilà. Alors, effectivement, donc pour redonner au pain ses lettres de noblesse, Dieu sait que l'actualité nous le rappelle. Eh bien, effectivement, il faudra beaucoup de pédagogie. Donc, effectivement, dans ce projet, il y a un côté pédagogique, hein, pour rappeler toutes les richesses que nous prodige la nature et le génie multiséculaire des hommes, hein, sur la panification. Que dire d'autre ? Donc, c'est déjà tout un programme pour 2022. C'est déjà tout un programme, mais c'est vrai que tout ça effectivement a été précipité, puisqu'on a monté ce projet en un mois. Et effectivement, je remercie la communauté de communes effectivement, de nous avoir fait confiance et de nous avoir soutenus pour la réalisation et l'acceptation de ce projet. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, quelles sont les ambitions de Pévèle-Carambeau au travers de ce plan alimentation territoriale ? Ce plan alimentaire territorial, c'est déjà accompagner ce qu'est notre territoire. Sur notre territoire, nous avons... les chiffres datent de 2018, ils ont peut-être un peu évolué, mais pas tant que cela. Plus de 320 exploitations et 16 exploitations agricoles. Nous avons
ça fait 5000 emplois directs et indirects, la filière agricole sur notre territoire. Nous avons historiquement des maisons de semences très connues et très performantes. Je vais essayer de n'en oublier aucune, mais Florimond-Després, qu'avait à ce moment, ou encore le maire des Fontaines à Auchy. Donc nous, notre ambition, c'est de mettre en valeur la qualité agricole et demain, ce qui peut servir aussi à l'industrie pharmaceutique, mais aussi à l'agroalimentaire, les productions et les produits de PVL Carambeau. Pour ce qui nous concerne, PVL Carambeau, nous avons une action phare, j'allais dire, à construire avec les communes, c'est la mise en place de notre cuisine centrale. Voilà, nous espérons pouvoir développer avec les communes intéressées la construction d'une cuisine centrale sur notre territoire avec un objectif très simple, c'est de consommer de plus en plus local. Voilà toute l'ambition de notre territoire à travers ce plan alimentaire territorial. Très bien, alors nous l'avons vu, le territoire, donc riche en produits locaux avec des choses à manger et des choses à boire. Et nous allons d'ailleurs du coup découvrir une vidéo sur les brasseurs de notre territoire. Ce qui est très intéressant avec la bière, c'est que c'est quand même un produit qu'on peut élaborer, qu'on imagine, comme pourrait le faire un chef dans une cuisine. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs, de chefs qui commencent vraiment à s'intéresser au produit, en se disant, mais finalement, on a une palette d'arômes possible qui est pas infinie, mais qui est très, très importante. Et ça nous sort un petit peu, en fait, de ce qu'on peut faire avec le vin. Voilà, la bière, on est plutôt sur quelque chose de plus créatif. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant dans ce métier. Nous sommes créés depuis 3 ans. Nous sommes une brasserie familiale, Jean-Marie et moi et nos 4 enfants. Nous avons 11 sortes de bières. La bière, c'est un produit convivial qui permet en fait à chacun de trouver la bière qui lui plaît. Il est inutile de dire aux gens ce qu'il y a dedans. Ce qu'il faut, c'est qu'ils goûtent, qu'ils apprécient et qu'ils reviennent. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. À la Brasserie de Plus, on fait des bières pure malt sans aucun sucre ajouté. Et on est fan de cyclisme, comme avec la gamme Malteni. Ici, donc des bières qui reprennent le maillot emblématique d'Eddy Merckx, avec une blonde, une ambrée et une blanche, en malt et houblon biologique. Et on a aussi la Jasmin, qui a été médaillée d'or au concours international de Lyon. On est fan de cyclisme depuis longtemps. Hein. Le Nord est une terre de cyclisme et nous, bah voilà, c'était une évidence. Ici, on fabrique la PVL et la Belle Ouvrage. Notre objectif, c'est toujours de mettre au cœur de la production et de la fabrication un produit qualitatif. On cherche à travailler constamment les composants, les matières et reproduire d'une manière générale et constante, puisque nous avons 13 recettes à notre actif. On a une production de 2400 hectos et l'objectif, c'est toujours de maintenir une production constante, avoir un stock permanent pour l'ensemble de nos clients, clients qui sont aujourd'hui nationaux et aussi locaux, puisqu'on a développé une bière locale avec des matières premières locales, notamment principalement avec des matières qui viennent de la PVL et des Flandres. Donc en fait, c'est une brasserie qui a été créée fin 2019. La brasserie du Gorgochon est vraiment typique pour les Hauts-de-France. On a notamment une gamme avec la blonde, l'ambrée et la triple. Et en effet, toutes les bières sont labellisées bio depuis le début. Je cherche également à avoir une démarche environnementale. Je fais partie du réseau Ramène ta bouteille qui consigne et qui va réutiliser les bouteilles. Donc laver les bouteilles pour plusieurs brasseurs afin de pouvoir avoir une plateforme et avoir vraiment une hygiène irréprochable. J'ai démarré cette brasserie qui s'appelle La Dérailleuse à Falampin en 2018. Pour l'instant, je commercialise et je produis 5 types de bières. Donc il y a une saison, une blonde, une triple, une IPA et une stout impériale. Et le principe, c'est de livrer ma bière à vélo. Donc je livre surtout à Lille en vélo cargo. Je fais quelques marchés, je fais des livraisons. La brasserie des Barbes Blanches, bah c'est une bière de copains. GG et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. On a brassé dans le garage un peu l'idée de se faire plaisir et puis on adorait la bière. Et du coup, on a décidé de créer la brasserie. Aujourd'hui, on est passé à 30 hectos. On commence vraiment à sortir des produits qui sont à la fois liés sur la tradition et en même temps sur le côté fun. On peut présenter notre Triple Winter qui est un petit peu à l'image de la brasserie. C'est une bière très maltée. On n'a pas beaucoup de sucre résiduel. On a au nez quelques notes de Noël, un peu pain d'épices. On a houblon Azaka, c'est pour ça que le petit Winter Hop qui va rappeler un peu à côté IPA avec des notes d'ananas confit et les mangues confites.
Donc on existe depuis environ 2 ans. On est la plus petite brasserie certainement de la PVL. Donc nous, notre objectif, c'est de proposer des bières assez houblonnées, assez originales, avec des houblons américains, donc des bières très florales. Voilà, on ne cherche pas du tout à faire du volume, on cherche plutôt à faire de l'originalité. Pour l'instant, on a une blonde, une triple, une IPA, mais on va développer bientôt des bières beaucoup plus originales, des bières sombres, très originales, des stouts, avec du chamallow, des stouts infusés dans du bois, des choses comme ça. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de se faire plaisir, pas du tout d'en vivre. Voilà. Là, on est du coup à l'entreprise où il y a la production et le commerce à côté. Nous, on a une brasserie où notre slogan, c'est la bière qui vous ressemble. On va créer notre bière et ensuite, on va pouvoir la vendre avec une étiquette vraiment personnalisée où on pourra mettre l'image du client ainsi que son petit nom sur le côté. Et c'est vraiment très sympa. Par exemple, là, au niveau des fêtes, là, on offre beaucoup ça au niveau des fêtes. Et c'est vraiment le slogan de la brasserie, la bière qui vous ressemble, et c'est vraiment spécifique à l'entreprise. Nous l'avons vu, la bière sur le territoire, c'est sacré. Alors justement, un petit jeu, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc si vous souhaitez gagner ce magnifique panier garni avec les bières assorties, le QR code s'affiche sur l'écran. Vous flashez et vous répondez donc à la question « Combien y a-t-il de brasseurs dans ce reportage ?» Voilà, vous avez 3 propositions, je vous laisse y regarder. Monsieur le sénateur, avant qu'on ne se quitte, est-ce que vous auriez un vœu à souhaiter à PVL Carambeau ? Moi, des vœux, j'en aurais beaucoup à souhaiter à PVL Carambeau. Mais en tout cas, moi, je souhaite à PVL Carambeau, puisqu'on parle d'alimentation, que, je le disais tout à l'heure, cet écosystème formidable devienne une référence au niveau national. Et je n'en doute pas quand je vois la volonté qui est affichée par le président Foutry et par les élus qui l'accompagnent pour faire en sorte que ce territoire soit une véritable référence. Et on voit bien avec le panier garni que vous allez offrir que voilà, il y a des pépites sur ce territoire. Il y a des pépites et il y a de la relève. Et c'est ça qui est intéressant. Donc le vœu, c'est de faire en sorte que sur ce territoire, eh bien, la communauté de communes puisse être aux côtés de toutes ces énergies qui émergent aujourd'hui et qui sont conscients que l'alimentation, c'est un sujet de développement économique et c'est aussi un sujet de transition écologique, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de la transition écologique. Voilà le vœu que je pourrais formuler. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, monsieur Va. On va vous laisser repartir. Et nous, on va place au sport. Et avec le club mythique du BCO, recevoir dans quelques instants deux personnalités fortes, mais avant tout, une petite vidéo ambiance. Rocky. Et ce n'est pas par hasard, Eye of the Tiger, pour accueillir M. Ludovic Roar, maire d'Orchy, bonsoir, et M. Frédéric Zimzak, le président du BCO, bonsoir. Alors, M. le président du BCO tient la question pour vous. Alors, l'actualité de notre équipe, où en est-on du championnat? Dites-nous. Eh ben, bonsoir et merci de nous accueillir donc, sur ce plateau. L'actualité, elle est assez pauvre actuellement, malheureusement, parce que les circonstances font que le championnat, depuis le début de saison, n'a pas repris. Vu que nos équipes adverses ont eu des cas de Covid. Mais enfin, il faut voir le positif. Samedi, nous retrouvons notre belle PVL Arena, notre contact PVL Arena, qui est toute neuve, qui a été transformée. Et enfin, nous allons pouvoir retrouver notre écrin et pouvoir accueillir, sur une jauge limitée à 2000 personnes, notre équipe contre Mulhouse dès ce samedi. Les résultats sont conformes à nos attentes, avec un maintien assuré pour l'instant. On espère, dans le prochain mois, nous allons donc jouer 10 matchs, donc c'est assez énorme, et donc à la fin du mois de février, nous saurons exactement où nous en sommes du championnat, en espérant
taper une poule, la poule du maintien et pourquoi pas les 5 premières places et pouvoir espérer être champion de France ou jouer le play-off pour le titre, pour l'accession en Pro B. D'accord, merci monsieur le maire. Monsieur Roard, maire d'Orchy, ancien président du BCO, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le premier supporter de l'équipe du BCO ? Alors, le premier supporter, ce serait certainement prétentieux de ma part que de m'arroger ce titre. Simplement, je suis un supporter fervent et de longue date de ce club, naturellement parce qu'à Orchy, le BCO est une vitrine. Mais je pense que ce club a aujourd'hui pris une dimension supracommunale. Il est le club phare de la PBL Carambeau. En tout cas, on le souhaite véritablement. Et puis, pour répondre un peu plus à votre question. Le premier, ça n'a pas de sens parce que je pense qu'une équipe, c'est fait d'un collectif, c'est fait d'une solidarité entre les individus. Et donc, peu importe de savoir qui est le premier et le dernier, quand vous jouez en équipe, il n'y a pas de premier et de dernier. Merci beaucoup. Monsieur le Président, donc le BCO a un partenaire incontournable. Alors, PVL Carambeau est un partenaire incontournable, je ne sais pas, mais en tout cas, on veut être un partenaire fiable et fidèle, puisque ça fait plusieurs années, mais c'était déjà le cas dans l'ancienne formule intercommunale. J'allais dire que le BCO est soutenu par l'intercommunalité. À cela, plusieurs raisons. Je vais en retenir au-delà de l'image et du vecteur de communication, parce que mettre 5000 personnes dans les grands soirs, un soir de semaine dans un palais des sports, ce n'est pas donné à beaucoup de territoires que de le faire. Ça se fait à Orchy, ça se fait en PVL Carambeau. En tout cas, ça s'est fait et on espère le revoir à nouveau très prochainement. Mais le basket, ça parle à notre territoire. Parce que je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, ceux qui aiment bien le basket dans le territoire, ils se souviennent probablement. Moi, j'étais un peu petit, mais de l'épopée de l'avant-garde Thumri, la GT, à l'époque. Plus récemment, et ça, tu t'en souviens, Frédéric, avec l'USON, l'USVO. Et puis, enfin, ça, c'était le basket féminin qui apportait haut et fort les couleurs de la PVL, parce que ce n'était pas encore PVL Carambeau. Donc, ça veut dire vraiment on a une terre de basket. Donc, ça a beaucoup de sens que d'accompagner pas à pas l'évolution de ce club qui a des bases solides. Et comme on a pu l'entendre, qui a des pères fondateurs et un président qui a la tête sur les épaules. Et je crois savoir que le staff sportif est dans la même lignée. Donc, il y a tous les ingrédients pour que nous puissions poursuivre notre collaboration. Oui, puis vous disiez tout à l'heure, une salle qui est en travaux, qui a des travaux et d'amélioration, donc une toute nouvelle salle bien refaite qui va pouvoir accueillir le prochain match. Et d'ailleurs, le prochain cadeau que vous nous permettez d'offrir, c'est 2 places VIP pour le prochain match, donc à la personne qui nous dira quel est le nom du capitaine de l'équipe du BCO. Voilà, alors vous aurez 3 propositions. 3 propositions, vous choisissez la proposition, le QR code qui s'affiche. Et puis ensuite, eh bien, nous contacterons à la fin. Vous aurez les 2 gagnants qui vont s'afficher pour pouvoir gagner ces fameuses 2 places VIP. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus à cette cérémonie. On va rester dans le domaine de la danse, le domaine du sport et la danse. Et nous accueillons dans quelques instants Alliance Dance School qui nous vient de Templeuve. Je vous laisse les découvrir. Fuck that nigga, I'll rape that nigga, I'll break that nigga. One in his hip, one in his lip, one in his clip. Can't catch up to my figures, my nigga. You a bitch, spill sauce and dip. Fuck niggas. I don't wanna hear no shit, too busy taking a mic. Pass that arm in the Rizla. Fuck that nigga, I'll rape that nigga, I'll break that nigga. People around me wanna be me a little. Wanna die me, wanna see me a little. I don't trust, I don't spot for no reason. I never trust him. Money time is as it gets easier. Me, bitch, you perfect. Slide with me, bitch, you perfect. Die for me, bitch, I'm perfect. Lie for me, bitch, I'm perfect. Ride with me,
bitch, you perfect. Die for me, bitch, I'm perfect. Lie for me, bitch, I'm perfect. I never snitch on daddy. Never. I hold a brick for the daddy. Impressionnant. Bravo et merci beaucoup à la troupe Alliance Dance Cool. Monsieur le Président, vous dansez ? Très mal. Oh ben moi aussi, ça tombe bien. Bon, trêve de plaisanterie en attendant d'accueillir notre dernière invitée. Nous allons écouter le message de Monsieur Xavier Bertrand, président de Région Hauts-de-France, qui est venu cet après-midi sur le site pour nous dire quelques mots. Monsieur Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le site d'ACFA avec nous cet après-midi. Monsieur le Président, à deux pas d'ici, Pével-Carambeau construit un centre aquatique. La région est très investie à hauteur de 2,1 millions d'euros. Quelle est la volonté portée par la région pour ce type d'accompagnement sur notre territoire ? Quel que soit l'endroit où on habite dans les Hauts-de-France, quel que soit l'endroit où on habite dans le département du Nord, on doit avoir les chances de développement. On doit pouvoir avoir accès aux loisirs, et notamment aux loisirs aquatiques. C'est vrai pour le sport, le loisir, c'est vrai aussi pour la culture. On a financé aussi l'école de musique. C'est vrai aussi pour tout ce qui touche devoirs de mémoire. Je pense justement à un centre, pas très loin d'ici, je ne vais pas citer toutes les communes. Et en tout, ce sont 4,5 millions d'euros qui auront été financés par la région. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans un territoire dynamique. Ce n'est pas Luc Foutry, mon ami Luc Foutry, qui va me démentir. Et moi, ce que je vois bien, c'est qu'ici, la population augmente et donc il faut des équipements collectifs. Et les communes, les communautés de communes ne peuvent pas financer toutes seules. Et c'est aussi le rôle de la région de pouvoir accompagner. Vous avez décidé d'habiter ici, dans ce territoire. La région doit vous aider à trouver ici tous les équipements nécessaires. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, si vous aviez un vœu à formuler pour la Pével-Carambeau aujourd'hui, quel serait-il ? Si je me place au niveau des compétences de la région, j'ai deux vœux. L'idée, c'est le développement économique, le rebond économique ici, dans cette usine ACFA, où encore une fois avec Luc, on s'est mobilisé pour accompagner les salariés. Très grande majorité a retrouvé aussi une autre activité, mais il y en a encore qui aujourd'hui n'ont pas trouvé. Et tant qu'il y en a un qui n'aura pas retrouvé un emploi, nous, on doit l'accompagner. Donc, que ce soit la région pour accompagner la transformation du site, que ce soit aussi pour solliciter des projets. Et je peux dire également que Luc est vraiment en pleine action pour trouver des solutions. C'est un exemple. Ce n'est pas le seul exemple de développement économique, de rebond économique sur le territoire, mais celui-ci, il est symbolique et on ne lâchera pas. Et puis, le deuxième compétence de la région après l'économie et l'emploi, c'est les transports. Et là, le compte n'y est pas. Alors, vous savez que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas prévu par la loi. On est hors la loi. C'est qu'aujourd'hui, on ne paye plus la SNCF parce que le compte n'y est pas. Il manque des trains et en plus, les trains n'arrivent pas au rendez-vous à l'heure. Et ça, pour des gens qui doivent aller travailler, qui doivent aller dans les services publics, c'est insupportable, c'est impossible. C'est toujours la question, à quelle heure on va arriver pour le boulot ? Et encore une fois, ici, ce secteur, je me souviens m'être déplacé avec Luc Foutry à différentes reprises, en différentes gares. Les engagements pris n'ont pas été tenus. Alors un jour, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Un jour, c'est parce que le matériel est défaillant. Un jour, parce qu'il y a des pannes. Mais en réalité, si on se place du point de vue de l'usager, du client, le compte n'y est pas. Et vous savez, la région vis-à-vis de la SNCF, c'est une position particulière. On est juste des clients. Chaque année, sur toute la région, on fait un chèque d'un demi-milliard d'euros et on a juste le droit de râler. Et on s'est aperçu qu'en râlant, ça ne suffisait pas. Donc aujourd'hui, je le sais,
on a décidé de suspendre les versements et tant que le service ne sera pas rendu, on ne reprendra pas les versements. Alors la SNCF peut me le reprocher, ils peuvent me mettre en justice, mais hélas, c'est la seule façon de se faire entendre, pas pour moi, mais parce que je veux que le service soit rendu pour les usagers ici, dans ce territoire. Alors ça ne nous empêche pas d'investir sur la mobilité, il y aura des travaux importants sur la gare de Falampin par exemple, mais en attendant, le vœu que je forme, mais ce n'est pas seulement le souhaiter, c'est aussi se battre pour, c'est sur la question du transport, et puis il y a un autre aspect, permettrait à un ancien ministre de la Santé, on peut encore, on n'est pas encore le 31, c'est de souhaiter tous mes vœux de santé, on l'a vu avec cette année Covid qu'on aimerait vraiment avoir derrière nous, c'est que la santé est vraiment le bien le plus cher, on a des soignants exceptionnels où qu'ils exercent, je souhaiterais vraiment que ce soit une bonne année de santé pour ce territoire et pour les hommes et les femmes de PVL Carambeu. Merci beaucoup monsieur Xavier Bertrand et merci d'être venu nous rendre visite cet après-midi sur le site. Monsieur Christian Poiret, bonsoir, vous nous avez rejoint. Tout à l'heure, nous parlions du schéma cyclable et la région intervient fortement intervient fortement sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les domaines dans lesquels le département du Nord soutient le territoire et les communes ? Je vais déjà vous dire, dans un premier temps, le plaisir que j'ai d'être avec vous et avec Luc Fautry ce soir. Et c'est vraiment un grand plaisir de venir à PVL Carambeau. On s'apprécie beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, on se parle, et c'est une très belle chose, et vraiment merci à toi. Et puis merci également à toute ton équipe qui est autour de toi, et pour tout le travail que vous faites. Alors le département, c'est un partenaire. C'est un partenaire de PVL Carambeau. Alors au niveau du schéma cyclable, vous avez fait un travail important. C'est un des territoires qui a le plus travaillé sur son schéma. Et donc, c'est le territoire qui aura des aides du département. Et le département sera à côté du territoire parce que c'est celui qui a des projets et celui qui va de l'avant qui a des partenaires à côté de lui. Donc ça, ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Mais le département, c'est aussi la volonté d'aider les territoires. Alors, dans l'aménagement du territoire, mais également aider les hommes et les femmes du territoire pour les protéger. Ça, c'est un point important du département. Mais ce soir, je vous parlerai plus de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est l'aménagement des communes. Parce que l'ensemble des communes font rayonner PVL Carambeau. Et si PVL Carambeau rayonne, le département du Nord rayonne. Voilà, c'est ça qui est important pour un président de département et un exécutif. Donc, nous avons des aides importantes pour les villages et les bourgs, c'est-à-dire les communes inférieures à 5000 habitants. Il y en a de nombreuses à PVL Carambeau. Et nous sommes à leur côté sur ces projets qu'ils peuvent avoir, des projets d'aménagement de centre-bourg, des projets de salles des fêtes, des projets de salles de sport et autres. Nous serons là. Nous serons là également en termes d'aménagement sur les communes supérieures avec les projets structurants d'un territoire. Mais nous sommes là également pour PVL Carambeau, sur les projets structurants et d'une communauté de communes. C'est le but d'une communauté de communes, c'est de ne pas réaliser ce que les communes font. Les communes doivent garder leur entité et le département viendra à côté de PVL Carambeau pour financer également ces équipements. Et puis, on pense aussi aux toutes petites communes. Aux communes qui peuvent avoir des problèmes, par exemple, de couches de roulement en termes d'aménagement, ça paraît simple. Mais un maire qui a une couche de roulement qui ne peut pas faire des trous dans sa commune, au niveau de ses voiries, il est bien embêté. Et aujourd'hui, on a mis en place des aides également aux communes et aux petites communes pour que sur les voies qui ne sont pas départementales, on puisse intervenir. Ceux qui ont des départementales sont tranquilles. Ils demandent au département. Et le département fait. Mais ceux-là sont coincés et on vient les aider également. Vous voyez, le département, c'est très large, je veux dire, dans les aides. Et le département, ça peut être aussi, j'entendais le président de région parler de développement économique, à côté d'une opération de développement économique, s'il y a une départementale, si on doit faire un accès particulier, le département peut être partenaire également à ce niveau-là. Parce qu'on a besoin d'emplois sur le territoire, on a besoin d'emplois
pour la communauté de communes, on a besoin d'emplois au niveau de la région, mais le département aussi a besoin de permettre à chacune et chacun de travailler. Vous voyez, c'est très large ce que nous pouvons faire au niveau des communes. Et pour vous donner un chiffre, en 2015, il y avait 185 millions d'investissements dans ce département du Nord. Cette année, nous allons réaliser en 2021, excusez-moi, l'année dernière, en 2021, mais ça passe tellement vite, 297 millions. Et l'objectif, cette année 2022, c'est d'être à 335 millions d'investissements. Donc Pével Carambeau aura sa part d'investissement, mais comme je disais au début, c'est celui qui a les projets, c'est celui qui est dynamique, qui fait la différence, qui travaille avec son équipe, qui pourra déposer des dossiers. Et pour avoir des aides, il faut avoir des dossiers. Donc visiblement, les accompagnements de l'État, de la région, du département donc permettent de pouvoir faire se réaliser les projets en Pével Carambeau. Oui, parce que dans une commune ou dans une intercommunalité, on n'est pas seul au milieu de nulle part. On a des partenaires, d'abord l'État, la région et le département. Et nous devons travailler avec ces partenaires-là. Je voudrais d'abord remercier Christian pour ta présence, vraiment, qui me fait chaud au cœur. Et on en a encore discuté il n'y a pas très longtemps de cela, de savoir comment nos projets peuvent être financés par le département du Nord. Nous avons besoin de cet accompagnement qui s'est matérialisé cette année, en 2021, notamment avec l'État par la signature du contrat de relance et de transition environnementale. Et je voulais souligner M. Feuté et le travail de M. le secrétaire général de la préfecture du Nord, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais pour son investissement et son accompagnement tout au long de cette année pour le bon déroulement de ce projet, de ce dossier. Donc on n'est pas au milieu de nulle part, on a besoin de nouer des contacts, des dialogues, et pour présenter, que tu le disais à l'instant Christian, pour que nos dossiers puissent être financés, il faut être dynamique, il faut en avoir. Donc on en a parce qu'on a mis à jour cette année le projet de territoire. On parlait avec le Conseil de développement qui nous a aidés à le mettre à jour, ainsi que les élus communautaires. Et une fois que nous avons mis à jour ce projet de territoire, bien, il nous appartient maintenant de monter avec les équipes politiques et techniques les projets pour justement les faire financer. Alors je pense qu'on arrive à la fin bientôt de cette cérémonie de vœux. Mais je tiens à dire, on n'a pas d'agent de sécurité, mais ne laissez pas sortir Christian Poiret, on va lui faire les poches, hein, parce qu'apparemment tu as beaucoup d'argent à distribuer, donc on va pas te laisser partir comme ça. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Poiret de nous avoir consacré du temps pour cette cérémonie de Pével Carambeau. Pour conclure, quel serait le souhait que vous feriez à Pével Carambeau? À moi, le souhait que je ferais à Pével Carambeau, il y en a deux. C'est qu'on forme vraiment une équipe avec Pével Carambeau, l'État, la région, le département. On fait équipe pour un territoire et pour des habitants. Et une chose simple, mais que j'ai vraiment au fond de moi, si je peux souhaiter quelque chose, c'est à chacune et à chacun des élus du territoire, mais également de l'ensemble des habitants, d'avoir dans leur vie, ça va vous étonner certainement, mais des petits bonheurs de la vie. Savoir vivre ces petits bonheurs, savoir regarder quelle chance on peut avoir de regarder un paysage le matin, de regarder le coucher de soleil le soir sur la Pével Carambeau, et également tous les petits moments de bonheur qu'on peut avoir en famille. Et si je peux souhaiter ça, c'est vraiment la plus grande chose pour moi qui est importante. Le reste, nous y arriverons toujours. Il y a des élus qui sont dynamiques, il y a des élus qui travaillent, qui aiment les habitants, parce que pour être élu, il faut aimer les habitants. Le président Luc Fautry aime ses habitants, l'ensemble des élus, les maires, aiment leurs habitants, et c'est comme ça que ça fait la différence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de projets pour 2022, beaucoup de souhaits, merci. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Avant de terminer, je sais que quelque chose vous tenait à cœur, c'était de chanter ensemble le chant de la Marseillaise. Alors, juste avant de chanter tous ensemble, je vais vous laisser terminer et conclure cette cérémonie si particulière des vœux 2022 de la Pével Carambeau.
Merci Jade, en tout cas, et merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission que j'espère aura été une réussite du point de vue des personnes qui l'ont suivie. Vous dire d'abord qu'il y a eu beaucoup de remerciements ce soir qui m'ont été adressés, mais ils ont été adressés au président, et le président il partage volontiers tous ces remerciements avec l'ensemble de l'équipe des vice-présidents qui sont ici et que vous avez vu plusieurs fois à l'image, ces vice-présidentes et ces vice-présidents qui sont à l'œuvre chaque jour à mes côtés. Et c'est avec vous que je partage volontiers tous ces remerciements parce qu'ils sont mérités pour nous tous, je le dis. Je voulais remercier aussi les agents de PVL Carambeau qui, au quotidien, sont mobilisés pour faire avancer notre territoire. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont importants. Particulièrement aux agents qui ont rendu possible cette cérémonie, j'allais dire, cette émission, puisque nous n'avons pas pu faire une cérémonie. Remercier particulièrement les équipes de production de XXL Productions, qui est une boîte de production installée, si je ne dis pas de bêtises, et je pense que je peux en dire, à Sizouin, donc en PVL Carambeau. Merci à vous, messieurs. Je n'ai pas vu beaucoup de dames dans vos équipes, donc je pense que c'est que des messieurs. Mais en tout cas, merci pour votre mobilisation, pour la réussite de cette émission, de cette première. Je voulais vous dire que l'année 2022 sera forcément une année pleine de promesses, puisque c'est une année électorale. Donc, on va avoir des promesses, probablement beaucoup. Moi, le vœu, la promesse que je voudrais que nous formions ensemble, c'est d'abord que nous puissions sortir de cette période de Covid, de crise sanitaire, qui nous empêche tout simplement de vivre comme on aime bien vivre. Cet art de vivre à la française qui est fait de convivialité, qui est fait de partage, qui est fait de contact, qui est particulièrement mise à mal aujourd'hui, cet art de vivre, par le Covid. Mais enfin, il faut toujours rester prudent. Une année électorale où il y aura des candidats, pourvu qu'ils soient aux élections présidentielles ou aux élections législatives, pourvu qu'ils soient inspirés. Voilà, que cette année soit inspirante pour les candidats, qu'ils puissent nous proposer des projets de société qui rassemblent les Français plutôt que de les diviser. Une année inspirante, je le souhaite aussi, pour les habitants de PVL Carambeau et plus largement pour les citoyens que nous sommes, parce qu'il nous appartient aussi, en votant, nous sommes tous électeurs quand on a 18 ans, il nous appartient aussi de nous mobiliser pour faire ces choix qui sont décisifs pour notre pays. C'est comme ça que nous protégeons notre bien le plus précieux, qui est, me semble-t-il, la démocratie, notre République. Et puis, à l'image un peu de Xavier Bertrand, je vais faire un vœu qui, j'espère, ne restera pas pieux. C'est que la SNCF trouve sur une carte où se trouve PVL Carambeau, pour qu'elle puisse enfin répondre à notre attente légitime d'avoir des trains en nombre suffisant à la gare de Templeuve et des trains à l'heure, plus généralement à Orchy, sur nos gares d'Orchy, de Landa, d'Austricourt et de Falampin, parce qu'il s'agit du quotidien des gens qui vont travailler, qui est impacté quotidiennement. Je voudrais faire le vœu aussi qu'elle puisse, cette année 2022, nous permettre d'avancer sur des projets très concrets. On en a parlé tout à l'heure sur le projet de restauration collective de notre cuisine centrale, excusez-moi, qui nous permette d'avancer sur ce sujet, et avec les maires qui ont envie d'avancer aussi sur cette notion, qu'on puisse monter ensemble un groupement de commandes pour servir des produits et des productions locales dans les assiettes de nos habitants. Voilà quels sont mes souhaits pour l'année 2022 pour PVL Carambeau. Si moi je commence à dire Carambeau, ça ne va pas. Voulez-vous dire qu'elle sera forcément inspirante aussi cette année, puisque nous aurons le plaisir d'avoir l'ouverture du centre nautique. Et je vois Madame Duprier tout à l'heure, je lui en parlais. Le nom sera de ce bel écrin de PVL Carambeau, sera dévoilé lors de notre prochain conseil communautaire fin janvier prochain. Mais je suis certain que cela sera une réussite. L'ouverture est prévue au 1er septembre prochain. Voilà, je souhaite en tout cas que ces projets qui sont nécessaires soient rendus possibles. En tout cas, je m'y attellerai. Je suis sûr qu'avec les vice-présidents, je m'y attellerai. Avec les élus communautaires, avec les élus municipaux, avec les agents de PVL Carambeau, avec les membres du conseil de développement, avec tous les citoyens engagés, nous rendrons possibles tous ces projets.
Et nous serons un petit peu fidèles à ce que disait Jacques Chirac, qui disait que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc c'est ce que je nous souhaite pour l'année 2022. Et puis à toutes et à tous qui nous ont suivis, je voulais souhaiter une excellente année 2022. Et je souhaite à tout le monde de faire sienne cette citation de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve ta réalité. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne année 2022. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Alors, je vous propose qu'on se lève. Vous pouvez vous lever aussi chez vous pour qu'on puisse chanter ensemble. De la patrie, le jour de gloire. Merci, merci beaucoup à l'école municipale de Falampin de nous avoir accompagnés. On peut les applaudir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Merci au vice-président. Merci aux musiciens, aux danseurs. Merci aussi aux collègues Pével Carambeau. Merci XXL Organisation. Franchement, ça a été une organisation extraordinaire. Pour une première, c'était vraiment très, très chouette. Je vous remercie. Et de mon côté, je vous souhaite une belle année. Tout a été dit ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et prenez bien soin de vous. Thank you.